Pour le 1 boulevard des promenades, on aurait deux avions qui se sont percutés, un qui était sur le toit et l'autre qui était dans le stationnement du Sears. On aurait un avion Cessna, un qui serait en face du Bel et la Bœuf. On aurait environ au moins 4 personnes dans un avion, je ne sais pas s'il y a d'autres blessés. 1034, 1035, 1016. On a un avion, un homme, pardon, dans un avion et on aurait possiblement un décès également. On a un sur le toit, puis dans le stationnement, là, ça sera plus au niveau du label et la bœuf. C'est soit le. En fait, on a le style et le label et la bœuf comme le deux commerces de point de repère. Un avion à visuel écrasé, 10-35 également, Vous allez par la porte 6 des Promenades Saint-Bruno. L'accès, c'est pour ceux qui connaissent ça, c'est aussi le Sport Expert. Communication. Possible d'aller rencontrer le sergent des 1035 à la porte du Simon. Mon PC, là, il est en face du Sears présentement. Là, j'ai un visuel sur l'avion. Si vous voulez venir me rencontrer, qui vient ici. Un rhume? 113. Ouais. 113. Le 1 boulevard des promenades, le 113, 17. Normand, 113, 114. Je t'allais écouter, 20. Tom, on est la misère. Moi, je vais être François Saint-Germain, au Sears, toi, votant à l'atmosphère, l'autre bord, avec les équipes qui s'en vont chercher au toit. Moi, je vais prendre le PC avec François sur une des avions qui est déjà localisée, qui est à terre. Toi, occupe-toi du toit. Je vais mettre Eric dans le mille pour que tu nous supervises les deux. 10-4. Promenade Saint-Bruno. Tous les services nécessaires sont déployés, incendie, ambulance, afin de porter assistance aux victimes s'il y a. Pour l'instant, je n'ai pas de détails concernant la nature des blessures. S'il y a des blessures, on invite les témoins de l'événement à se présenter au restaurant de la Case du sport des promenades Saint-Bruno pour donner les informations aux enquêteurs. Ceux-ci vont essayer de comprendre la nature des événements. On parle de deux avions, donc on a un avion ici, on a un avion là-bas aussi. Exactement, là nous avons deux avions. Ça sera de nature accidentelle pour le moment, donc ils vont rassurer la population quant à cet effet. Puis on va démystifier le sens exact de l'événement. Est-ce qu'on sait qu'il y avait combien de personnes dans les avions? Nous n'avons pas l'information combien il y avait de personnes. Puis comme je l'ai mentionné, on n'a pas l'information s'il y a des blessés. Nous sommes en intervention présentement, puis nous sommes en train de porter assistance aux personnes impliquées. Les promenades Saint-Bruno sont évacuées partiellement, donc le Simons est évacué par mesure préventive. Tell me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Tell me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Tell me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Tell me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Tell me what democracy looks like! This is what democracy looks like!